mes amis, c'est Pépin, là, pour la petite histoire du jour, là, que je dédicace à mon petit camarade, là, le Steven Becker, là, et au cousin, là, Jesse Becker Lacoste, là, hein, que ça aille bien, les gars. C'est la petite Wendy, là, elle est chez elle, dans son lit, avec son amour, John de Waleff, là, ils y vont, il faut la faire, ils y vont, game. Et puis, à un moment donné, ils entendent la porte qui s'ouvre. Chérie! Chérie! Elle se dit, merde, voilà, Léo! Lionel Kuhn, mon mec, oh là là, John Caval, va vite te cacher dans la salle de bain, qu'elle lui dit. Tu sais, John, il est à poil. Il met ses affaires en dessous du lit, il court, il va se bloquer dans la salle de bain. Et Léo, il rentre, ça va chérie, il fait une baise à sa femme, elle est toute nue sous le lit, il se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me repose un peu, qu'elle dit, ça me vient, j'ai envie de toi. Hein. Ouais, écoute, non, 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 attends, je suis dégueulasse, je vais aller me laver, qu'il lui dit. Mais non, non, allez, s'il te plaît, hein, fais pas de chichi, viens, viens, j'ai envie de toi, que je te dis. Mais je te dis, moi, je vais aller me laver d'abord. Elle se dit, oh là là, l'autre qui est bloqué dans la salle de bain. Et voilà le Léo qui ouvre la porte de la salle de bain. Et il tombe sur le John, là, qui est comme ça. Et regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, bonjour, je suis chasseur de mythes. T'es chasseur de mythes. Et qu'est-ce que tu fous à poil à la salle de bain? Oh, les salopes, elles m'ont déjà tout bouffé. Dédicace à Maxime Craig, qui est un fameux chasseur de mythes, hein, je vous le dis, un chasseur de mythes.